Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. L'Afrique se donne les moyens de son développement économique. Après la réunion de Paris, Abidjan reçoit une dizaine de chefs d'État africains. Le président malgache est arrivé cet après-midi dans la capitale économique ivoirienne. Les dirigeants africains attendus pour ce rendez-vous sur la relance économique du continent. Et ils vont prendre part à la reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement. Selon le vice-président de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, les besoins de financement sont estimés à environ 90 milliards de dollars, ce qui permettra à l'Afrique de faire face aux effets pervers de la COVID-19. Cette rencontre de haut niveau est prévue donc demain, jeudi, à Abidjan. La Banque mondiale va soutenir la mise en œuvre du programme Vision 2030 de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Patrick Cachy en a discuté avec des hauts dirigeants du groupe. L'audience a été suivie d'une cérémonie de signature d'accords de financement et de projets. Il s'agit de la promotion des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique. Alexis Ouedraogo. En marge de la réunion de haut niveau IDA20 demain jeudi à Abidjan, la Banque mondiale et le gouvernement ivoirien ont signé ce mercredi à la primature un accord de financement de plus de 110 milliards de francs CFA pour le développement des chaînes de valeur dans le pays et ainsi accompagner la grande transformation économique et sociale amorcée. Le gouvernement a obtenu un prêt de 200 millions de dollars américains auprès de la Banque mondiale pour le financement de projets des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique. Ce projet soutiendra le thème spécial de l'IDA 19, emploi et transformation économique, notamment en augmentant la productivité par la diversification, en attirant les investisseurs privés nationaux comme internationaux, en stimulant l'intégration internationale à travers des chaînes de valeur compétitives, en facilitant le commerce et en favorisant également la mise à niveau technologique ainsi qu'un meilleur accès des entreprises ivoiriennes au financement. D'ailleurs, l'implication de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire dans le projet vise également à assurer le financement à long terme, je dirais, de ce processus et de l'économie d'une façon générale. Pour le directeur des opérations de la Banque mondiale, cet appui devrait soutenir la relance suite à la crise engendrée par la COVID-19 et aider les États à poursuivre leur transformation. Nous voulons accompagner activement la Côte d'Ivoire dans la mise en vigueur de cette vision 2030. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je crois qu'aussi la communauté internationale peut ajouter son appui et certainement la Banque mondiale est prête de faire le plus possible de vous aider dans la transformation de Côte d'Ivoire. L'IDA, Association internationale de développement, est une institution de la Banque mondiale qui aide les pays à revenus faibles pour réduire la pauvreté en accordant des prêts et des dons destinés à des programmes qui peuvent stimuler la croissance économique, réduire les inégalités et améliorer la vie des plus démunis. La réunion de haut niveau qui se tiendra jeudi réunira plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains à Abidjan. Et la Côte d'Ivoire accueille bientôt le 27e congrès de l'Union postale universelle. Pour tenir ce pari, le pays s'active. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora a reçu le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire pour une réunion préparatoire. Kamdia Camara partage avec ses ambassadeurs les informations et elle marque l'engagement du pays à garantir la réussite de ce grand événement. La Tabaski, c'est ce mardi 20 juillet, à moins d'une semaine de cette grande fête musulmane. Les acteurs de la filière s'activent pour ravitailler le marché en mouton. La Confédération Interbovicie entend convoyer plus de 10 000 têtes. Les différents convois en provenance du Burkina Faso et du Mali marquent une escale à Yamoussoukro, une pause pour permettre aux bêtes de récupérer avant de rejoindre les différents marchés. Dans le reste de l'actualité, c'est la fête nationale en France aujourd'hui. Le défilé militaire du 14 juillet a bien eu lieu sur la célèbre avenue parisienne des Champs-Élysées. Cette année signe donc le retour des troupes, des drapeaux et des blindés en parade, mais l'accès au spectacle a été limité. Les spectateurs devraient être munis du pass sanitaire et porter un masque. Le chef de l'État y a assisté aux côtés de son chef d'état-major des armées, le général François Lecointre. À l'heure où le virus repart à la hausse en France,
France. Le président Emmanuel Macron a mis lundi la pression sur les non-vaccinés. Le pape François a quitté ce mercredi en fin de matinée l'hôpital de Rome. Il était en convalescence après avoir été opéré du côlon le 4 juillet. Le souverain pontife argentin de 84 ans a quitté à bord d'une voiture aux vitres teintées l'hôpital universitaire. Le Saint-Siège avait misé initialement sur une semaine environ d'hospitalisation. Il avait diffusé des photos du pape se promenant à pied dans une section de l'hôpital. L'actualité se poursuit avec les infos régionales. Je vous retrouve à 20h pour la grande édition.